trophées services municipaux assignés tous les sites. Alors, il va un petit peu de pair avec Lèchebot, atteignez l'alignement de ville avec l'une des 7 factions. Alors, en fait, vous avez 7 bâtiments de structures de ville, vous avez des stations électriques, vous avez des châteaux d'eau. Alors, certes, dans le cadre de l'histoire principale, vous allez en faire un certain nombre, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Une fois que vous les avez faits, vous assignez chacun des bâtiments à une faction, vous donnant un certain nombre d'avantages, différentes natures. Donc si vous avez le niveau maximal dans une faction, vous débloquez Lèchebot, et si vous assignez à n'importe quelle faction, en tout cas que vous allez à la rencontre de chacun des sites et que vous les débloquez, vous allez débloquer services municipaux. On va regarder dans cette vidéo où se trouvent ces bâtiments. Déverrouiller, on va dire, le bâtiment moyennant des énigmes, soit d'acrobatie, soit des espèces de petits puzzles où il va falloir raccorder des câbles électriques. Tout de suite, on regarde ça. Alors, voilà le bâtiment. Belle structure, hein, il se démarque du reste. C'est plus haut que ce que j'imaginais. Oh, merde. Putain, on va venir me casser les pieds. Alors tant que je les ai pas butés... Au fur et à mesure que je vais les tuer, il y en a deux qui vont arriver. Ça c'est... Ah, c'est bien cette arme, mais elle est lourde. Hein. C'est moi projeté ça. Ça va être mieux. Sophie, Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter. Bon Dieu. S'ils font ça, on n'aura aucune source d'eau. Allez, Aiden. La tour est minée. Essaye de désarmer les charges. J'ai un temps ou pas? C'est la gueule. Bon, ça va. Pour l'instant ça va. Si je tombe, je serais content de pouvoir ici. C'est à l'intérieur non? Ah peut-être que j'ai pas vu les cercles jaunes. On va pas sortir d'ici vivant.
Donne-moi le détonateur, Jack. Non, on était censé rendre hommage. Ils collectaient de l'argent. Jack, prends-le-moi. Ils auront ce qu'ils méritent. Ils mourront tous. Jack, je te préviens. Compris. Hello est sécurisé. Tiens. Tiens. Un, deux. On va se faire une petite picouse, comme ça. Quelle andouille hein. Alors j'ai pas appuyé mon saut, je pensais vraiment que ça allait suffire. Visiblement j'étais un peu trop confiant. Surtout que je peux monter sur les murs donc. Brûle, hein. Alors, j'ai pas compris pourquoi il est descendu là. Très clairement, je pense que c'est parce qu'il peut pas monter au-dessus. J'ai pu avoir tant d'endurance et me casser la gueule. J'ai réussi après tout. Marrant, j'ai plutôt cru qu'il allait tout défoncer, mais. Soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu, mec. On a perdu la tête. On peut pas se battre contre nous. On fait des efforts, hein, pour pas faire de bruit. D'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je veux pas mourir, connard. Hey, qui est là? Oh. Arrête. Bon, on va faire sauter la putain de tour. Je te jure. Vous êtes dedans, les gars. Je te mets au défi, je sais que tu le feras pas. L'écoute pas, Jack. C'est terminé. Fais péter! Je sais pas. J'ai peur. Joe, attends. Joe. Hé. Hey. C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar il y a peu de temps? Peut-être. Pèlerin ou pape. Et alors? Tu comprends pas? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je fais pas confiance à ce connard. Tu fais confiance à personne! Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barney. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois. Être sympa avec Barney? Pourquoi faire? Pour le faire dégager du bazar. Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu, cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu Barney? À propos de quoi? Eh bien, à propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barnes avec Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre au vieux Vildor. Et si tu me demandes, la guerre, c'est la dernière chose dont on a besoin. Argent, cristaux, ça, c'est notre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur. Alors, pèlerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi? Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain! Fais-nous sortir de la ville, pèlerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. Je négocie pas avec les extorqueurs et les meurtriers. On dirait que quelqu'un pète plus haut que son cul. Le pèlerin veut prêcher. Oh putain d'imbécile. Vas-y, Jack. Maintenant. Au revoir, le bazar. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vos jouets marchent pas? T'as fait ça? Tu vas le payer. Je regrette. Je n'ai jamais tué de pèlerin avant. Attends, tu m'as l'arme que j'ai est peut-être pas...
Pas l'idéal. Mauvais pèlerin. Pourquoi? Putain. Alors attends. Voilà. T'as nulle part où t'enfuir. Attention à la mare. Je vais te noyer. T'auras. Là maintenant, je suis prêt les enfants. N'est jamais tu. Tu ne seras pas vivant. Vaut mieux que j'esquive. Ça ne va pas vous enfuir. Attention à la mort. Eh bien, cette arme, elle prend une partie de l'écran. Ça m'aide pas. On va te commence à être amoché, hein. Tu vas crever, pèlerin. N'ai jamais tué de pèlerin avant. Ah. Merde. Attention à la barre. J'ai plus de vie. Fabriquer. Non, c'est pas l'heure que je veux. Archa. On va te pendre de cette. Ah. T'as nulle part pour t'enfuir. Attention à la marche. Moi j'ai pas un système de lock parce que l'esquive est tellement. J'ai du mal à me recaler sur lui. Ah, il y a une tête qui est tombée. Hein. J'ai bien vu la gigole aussi voler. Ah, on aurait pu leur balancer des trucs. Pas bien, Fredo. On va se remettre bien. Vous avez mis quelques armes, ils sont gentils avec nous. Bon. Tiens. Fils du tourisme, horse. C'est dommage, j'ai pas un petit point d'exclamation sur celui qu'on n'a pas lu. Horseshoe est le quartier le plus ancien de la ville. Certains bâtiments remontant au 15e siècle. Il tire son nom de la forme des murs qui l'encerclaient au 17e siècle. Le quartier abrite également le château d'eau, un ancien clocher construit à partir d'un avant-poste militaire. Ses rues étroites et sinueuses portent des noms étranges dont les origines se sont perdues dans l'histoire. C'est également là que se trouvent les derniers ateliers d'artisans et boutiques d'antiquités. L'esprit d'une ère révolue, les plus grands poètes ont cherché l'inspiration à Horseshoe. Et leurs âmes survolent ces toits paisibles. Peut-être que vous y trouverez également l'inspiration, braves voyageurs. Aujourd'hui, Horseshoe est un point de rencontre de prédilection, surtout pour les amours. Personnellement, j'y ai déjà fait la connaissance de quelqu'un via une application de rencontre, décrit comme un entraîneur de dauphins de 30 ans avec le corps d'un dieu grec. Malheureusement, le type qui s'est présenté était un vendeur d'aspirateurs de 50 ans accompagné de sa mère. Le rencard fut un vrai fiasco. Mais au moins, j'ai pu acheter le dernier modèle d'aspirateur haute pression à un prix fou. Alors, Aiden, le génie, qui prend le contrôle de l'eau. Alignement.
de la ville. Quand vous assignez un site au pacificateur de survivants, il contrôle aussi les alentours. Quand une faction prend le contrôle d'une zone, il y installe ses structures et les pacificateurs y installent des pièges de combat, tandis que les survivants construisent des aides au parcours pour faciliter la traversée. Ça, j'aime bien. Plus vous assignez de sites à une faction, plus celle-ci devient forte, ce qui lui permet d'installer d'autres structures encore plus efficaces. L'état actuel de l'alignement de la ville. Et ok. Ah, c'est vrai, les couleurs, j'avais pas. J'avoue, j'ai quand même une petite préférence pour ça. Assassin's Creed médiéval assez sympa. Un pèlerin au bazar? Eh ben si j'étais lui, je mettrais les voiles avant d'énerver quelqu'un. Le niveau de zone de l'alignement de la ville présente l'état actuel des zones, qu'ils soient neutres ou contrôlées par les pacificateurs ou les survivants. Vous trouverez différentes récompenses de ville que vous recevrez en affectant des zones à des factions. Pour affecter une zone, vous devez d'abord découvrir son site, château d'eau, station électrique, puis l'activer et l'affecter à la faction que vous voulez soutenir. Tiens. Hakon. Aiden, t'es où, bordel? Content de te voir. Barnes avec Lucas a essayé de le capturer. Jack et Joe l'ont prévenu. Qu'il aurait pu éviter le piège, mais il y est allé quand même. C'est là que Lucas a été tué. Peut-être qu'on devrait jeter un œil à la cachette de Barney à l'hôtel Tango. Je vais m'assurer que l'endroit est sûr. Alors, objectif mise à jour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tac. Ouais, non, c'est le même libellé. Fouiller la planque de Barney à la recherche de preuves. Alors, on est où là? Station électrique. Il a pas réussi à s'approcher. Alors, est-ce qu'il passe? Il s'attend à être en face. Ouais. Ah merde. Couche-toi la planche. Non, il veut pas. Ah bien, on saute. Ouais, non. Des fois, il me surprend, hein, le jeu. Hein. Truc de fou que le mec est capable de faire. Oh là là. Ok. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Burn. Je suis entré. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un a été très pressé quand ils l'ont mis hors ligne. Je suppose que le circuit principal a été coupé. Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émetteur. Ça devrait rétablir le circuit. Ah, station électrique est l'un des deux sites présents dans la ville. Une fois sa construction terminée, vous pourrez l'assigner à l'une des factions et modifier l'alignement de la ville pour activer. Station électrique, vous devez réparer les connexions entre ces générateurs. Commencez par trouver un générateur en service et reliez-le au générateur en service. Lumière rouge. Une fois en service, la station électrique alimente divers éléments de la zone comme des boîtiers électriques ou encore des vitrines de magasins.
les inhibiteurs au-dessus là. Forcément, c'est fermé, ça doit être le verrou électronique. Oh putain, mais d'accord, on va falloir jouer des distances et des trucs. Original. Forcément, c'est... Aiden, au rapport. Ouais, je suis au sommet de la sous-station. J'essaie de connecter le courant à l'émetteur. C'était pas une partie de plaisir ici après tout. T'es sûr que tu vas y arriver ? J'ai rencontré des pacificateurs qui pouvaient pas se rendre eux-mêmes à la sous-station. C'est pour ça que tu m'as pas encore appelé. Tu devrais les voir. J'ai du mal à me décider sur celui que je préfère. Tu sais que ça va te coûter cher, hein. Les pacificateurs, ils sont corrects. Mais ils sont pas du genre à aider les gens par bonté d'âme. Je saurais même pas quoi faire s'ils étaient pas dans l'équation. En plus, ils sont en bas et c'est moi qui suis en haut. Choix difficile, hein. Je leur donnerai pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont leurs propres hommes. Et qu'en est-il des gens libres ? Quelqu'un devrait être de leur côté. Qui d'autre si ce n'est des gens comme nous ? Je vais y réfléchir. Prends pas trop de temps, Lambert. Attends, quoi ? Alors moi, j'ai déjà fini ici et toi, t'es en train de faire le con là-bas. Toujours en compétition, hein ? Je peux l'arrêter. Ah putain, c'était avec le 3. J'avais oublié qu'il y avait lui. Ouais, c'est rigolo de principe, mais. Il va être vite trop loin. Oh là là. Pas vérifier si est-ce que ça ouvrait accorder les câbles à la sous-station. Je sais pas pourquoi mais ça n'a pas marché. Pas compris, hein. Oh, putain. Pourquoi ils enlèvent le ce putain de voilà de je crois avoir compris. Pas fait gaffe que si elle a un. Deux. Ok.
comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est branché. Ensuite ? Active l'unité de contrôle dans la salle de commande. J'y vais. Ton aide est une contribution importante pour rendre cette ville plus sûre. Je voulais juste dire ça pour que tu te sentes apprécié et que tu comprennes à quel point c'est important. Ok. Merci. Enfin, j'imagine. Alors à qui on va les donner? On va continuer, de toute façon il y a un truc pour les mettre tout dans le même camp, mais moi j'aime bien les survivants, le fait de pouvoir nous aider, même si ça je suis sûr que c'est sympa. Hein. Sois pas si surprise. Oh, je te fais marcher. Retrouve-moi à la cantine. C'est peut-être le début de quelque chose de magnifique. Alors, où est-ce qu'elle veut qu'on la rejoigne? Ok, là. S'il y a des indices qu'on peut voir extérieur. C'est peut-être pas exactement la même chose que la dernière fois. Multifonction. Pour établir le camp, vous devez relier les bons générateurs. Alors c'est là où je m'étais un peu emmêlé les pinceaux la première fois. Trouve un générateur avec la lumière verte au niveau du numéro qui est associé. Ah, je sais que le générateur peut être alimenté par un générateur multifonction. Ah, et c'est comme... Inscrit. J'espère être moins couillon que la première fois. Donc A et B, lui peut être branché sur du AUDB. Il est juste en face. Mon avis, c'est trop beau. Voilà. 1 sur 2 ou pas? Putain, je viens de comprendre. Oh l'andouille! Sous-station, on attend. Pas de problème. Avec plaisir, espèce de taré. Le pressé va pas faire que ça ira plus vite. Ok, faut alimenter le C. Conteneur d'inhibiteur à proximité. J'ai pas vu de... s'appelle truc avec leur câble là. Par contre là à l'intérieur il y a deux.
ici. Par contre, à mon avis, il doit pouvoir m'aider à ouvrir une porte. Le truc, c'est par où je peux passer. Parce que le... Il est loin. Il faudrait presque une corde... Sachant qu'ici ça s'ouvre de l'autre côté. Mais tout sous de l'autre côté, c'est pas drôle. Hein. C'est ouvert. Est-ce que par le haut il y a un passage? C'est pas sûr. Conteneur d'inhibiteur à proximité. C'est pas en le répétant 15 fois que ça va me faire. Si sur 17 mètres. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah, ça perd. Du lâchage de câble. C'est que ce soit la même touche. Si tu anticipes trop, tu lâches le câble. Est-ce que ça a du code du coffre? C'est celui-là. Approximate number of pi 314. Ah ah, faut être bon en maths. Faut être bon en maths. Par contre, est-ce que c'est 1,4 ou c'est sois pas timide. Le 32e. Ok, le 2. Thank you.
Y'a plus qu'à aller rechercher le 1 et le basculer du C au 1. Oh merde! Ah. Ok. Attends. C'est par là. J'ai déjà fait un petit tour de visite. Je sais pas si on peut rusher. Est-ce que notre petit corps va résister fermé des deux côtés, ben là on va atterrir de chaque côté, je comprends mieux. J'avais pas le déverrouiller, c'était... ça aurait été bloqué de toute manière. Ah, c'est déverrouillé. Et par contre la dernière fois on avait des petites injections, là j'ai pas l'impression qu'il y en a, il y aura un mémo quand même. Nouvelle de ville d'or. On va pouvoir appuyer sur le bouton maintenant. Oh, y a du jus qui passe. J'en ai les tripes toutes retournées. Merci pour ton aide, chien de pacificateur. Tu as du masque. Maintenant, sois gentil et tire-toi. Non, il est temps que toi tu partes. Sinon. C'est une menace. J'en claque des genoux dans mes bottes coquées. Messieurs, vous pensez qu'il va faire comme ses potes et couiner comme un porc? On va voir ça. Heureusement que j'ai ouvert en parlant. Je sais pas qui a l'idée que le truc pour se soigner dure aussi longtemps. Mais... s'il vous plaît, hein. C'est du coup comme un porc maintenant. Difficile de tirer à l'arc quand on a les deux bras de coupés. Atterrissage. Hey Rov, il y a à nouveau du courant. Je lui mettrai une flèche en Rov, tu me reçois? C'était un peu long. Je te reçois, bordel, ça scintille comme un putain de sapin de Noël ici. Tout le monde va bien? Ouais, les gars progressent dans le bâtiment. La zone sera bientôt sécurisée. Ramène ton cul ici, c'est le moment de grimper. Le tir me manque. Ah oui, l'entraînement militaire d'une adolescente. Je détestais ça. Alors, sur la carte, si on se balade... Muddy Ground, Muddy en fait c'est boueux,
grande, donc c'est sol. Et on a une région qui s'appelle Terre Boueuse, et dans cette région, si on se balade, au niveau des bâtiments, Château d'eau, Water Tower, on a le Château d'eau du... Waf. On va aller voir à l'intérieur. La question c'est qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. J'ai main des zombies. Je vais voir la façon de faire. Ouais, c'est parce que y est monté sur la rambarde de côté. Ça perturbe un peu, tu tombes. Les cops sont réinitialisés dans les châteaux. C'est souvent au couillon, mais... Et ça, c'est le point de chute du message encodé. Eh... Donc, Attends, le coffre. En tout cas, un truc qui utilise des codes. Hein. Si j'en ai très peu des... Les coffres au début du jeu, ça s'est vite intensifié après tout. C'est assez marrant. J'aurais plutôt eu tendance à monter, mais... Hey. Oh là, grenade maison, mais c'est pas... C'était pas terrible, hein. C'était pas terrible. Bon, c'est pas grave. On a réussi, hein. C'est surtout le côté déchiffrage qui était rigolo, mais la récompense est vachement décevante, hein, j'avoue. Bon. Je comprends pourquoi ils ont encodé ce message. On va tenter de remonter. On a quand même une... Un château d'eau à reconquérir. Bon, après avoir remonté la tour, c'est un peu une partie de plaisir ici. Je dis pas que c'est facile, mais c'est assez agréable. Si quand on trouve pas, faut aller. C'est vraiment cool qu'ils aient pensé parce que. C'est la merde là. Yes.
effectivement. Je crois que j'en ai jamais autant gazé sur un. Je crois encore avoir un petit coffre en or. Générateur dans un pire là. Ça, je vois pas où il veut le mettre. Ok. Ah, des fois, la prise d'élan, elle est arrêtée dans le jeu. Putain, je sais pas. Ah, oui, d'accord, ok. J'aurais avoir vu un truc d'interaction marron, un objet. On termine en beauté comme ça. De ton âge, ça pourrait être ta fille. Ne pose pas de questions, je l'ai monté jusqu'ici tout seul. Bien, on va s'arrêter là, suite au prochain épisode. Alors, station électrique de Saint-Paul.
Bon, il y a un petit peu de monde là, une fois que vous les éliminez, vous serez au calme. Graffiti. Région Île-de-Saint-Paul, on va s'attaquer à la station électrique du même nom. Alors ici vous avez quelques gardes, il faut les éliminer, ils sont pas très nombreux mais attention, ça peut faire mal. Alors l'entrée ici est bloquée, cependant sur le côté, on a un moyen de rentrer dans le bâtiment via des fenêtres qui sont cassées. Avec ce câble, on peut alimenter le 1, le A et le B. Attention, on n'a que 24 mètres de câble. On va du A. Je puis sous l'eau, on peut alimenter le chaud. Donc là, 1. Par contre, ça risque d'être notre objectif, on va déjà essayer de déverrouiller un max de choses. Tiens, il y a le 2 en plus. Donc là, hop. Donc ici, on a le 2, donc il faut qu'il soit alimenté avec le câble numéro 2. On va déverrouiller les accès, parce que si le câble numéro 2, par exemple, est en hauteur, on sera content de pouvoir le passer par là. Le 1, tiens le B. D'ailleurs, notre câble du bas pourra alimenter le B également. Par contre, le fait qu'il fasse nuit va pas nous aider. Ah, il y a une partie où il y a de la flotte. Ah, je crois qu'il est alimenté là. Donc je peux ouvrir. Faut que je me méfie de l'oxygène. Hein. Là, j'ai ce qu'il faut. Est-ce que je peux aller chercher de l'oxygène là dans le trou? Ouais. Bien, bien remplir jusqu'au bout. Hein. Ok. Le 2. C'est juste, hein. Très très juste. 2, ok. Donc ça c'est le premier. Je crois avoir vu le B là-bas. On va reprendre notre câble. Attends, je peux ouvrir tout ce qui est porte avec un puncher.
Là, c'est le 3 qu'il faut trouver. Ah, ça descend encore une symétrie et il y a de l'eau. B. Il y a un peu une symétrie hein, entre les... différents bâtiments. C'est Alors j'ai déjà ouvert, mais parce que je l'avais déjà branché dans mon approche, mais là je le refais. Alors on peut aller chercher de l'oxygène, même si on a l'impression que visuellement, il n'y a pas la place pour respirer. Alors, le 3. Et maintenant le premier qui a alimenté le ALB. C'est l'un des plus compliqués, j'ai trouvé celui-là. Bon, après une fois qu'on a bien l'environnement en tête, ça va, mais l'ascenseur vient nous voir. Je me fais avoir comme d'habitude. Non, d'habitude il y a des portes à déverrouiller. Et je botte. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Alors, château d'eau Saint-Paul. Comme d'habitude, il faut nettoyer la zone. Alors, j'ai déjà un peu commencé. J'ai utilisé mon arc. Donc, il y a l'air d'y avoir beaucoup de matière chimique au sol. Mauvais bâtard.
Alors il y a du monde à l'extérieur, je sais pas s'ils font partie du package. Ah bah tiens. Ok. Sécuriser la zone, c'est fait. Maintenant faut grimper. Je vais rester ici longtemps. Ok, bravo Fred. Il faut pas rester longtemps et toi tu descends d'un étage. Ouais. On va venir d'où on est venu. Là il y a quelque chose qu'on peut approcher par contre. Ok. Next. Je vois pas grand chose et puis avec cette espèce de truc jaunâtre là. Marrant, y'a pas. Là y'aurait bien quelque chose mais. Là si on sort. Okay. Ah, donc j'ai bien réussi à monter. Comme tout se ressemble. C'est pas toujours simple. Je peux pas atteindre ça ou pas. Ah non. Là par contre. Ok. Je prends très bien à l'intérieur. Ah bien. Ça peut valoir le coup s'il nous arrive des bricoles. Ça monte à l'intérieur et pas évident de savoir le chemin officiel et le chemin là c'est le raccourci si on tombe. Être à l'extérieur. Ah oui, ça y est. J'ai regardé partout sauf là. Okay. Alors là, il m'a fait peur. J'ai l'impression qu'il a fait un tout petit truc. Okay. Smartphone à la revente, c'est pas mal. Plus éclair, hein, donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Smartphone. Smartphone, on tire de la thune avec ça. Smartphone, putain, je crois que c'était un indice. La fin des temps modernes. Ça, c'est numéro 3. Celui-là.
regarder sous les joints? Les joints sont en bon état. Alors, pourquoi ça fuit? Quelqu'un ne l'a pas serré assez fort. Tu connaissais pas Commander Dark? Il est mort depuis le mois de mars. Je savais pas. Dommage. On s'ennuie jamais. Tu trouves pas ça énervant? Moi? Je deviens folle quand j'ai rien. Un de plus. De retour dans la vieille ville. Station électrique de Woodfield. Alors attention, il y a un produit chimique un petit peu partout. Passer par là. Oh. Je pense que. C'était un peu tôt. Voilà. Point d'entrée. J'ai l'impression qu'on peut monter au-dessus, mais. C'est l'intérieur qui nous intéresse. Alors, le 1. Ici, là, ça va être fermé de l'intérieur. Le 2 est là. J'ai le 1 et le 2. Partout. Hein. J'ai quoi là? Le 1. Ok. Donc je trouve le 2. C'est qu'il faut le mettre ici. Je peux pas monter encore. J'ai mon câble, non, je ne l'ai pas. Ok, peut-être de l'autre côté. Conteneur d'inhibiteur détecté. Déverrouiller parce que c'est mieux. 5 mètres. Ouf, ouf, ouf. Okay. Ah non, j'étais au bon étage.
Salut Spinich, ça devait être le dernier alors.